Allez hop, il va sur... Oh non non, oh, il a chopé comme un petit. Tu commences pas. Écoute-moi bien. Tu commences pas à me choper par le callback. Il a attrapé comme un enfant, frère. Ouais, il a attrapé comme un gosse. Ça ne fait rien, le poison. Tu vas crever, connard. Oh non 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 non, ce qu'il lui a fait, il lui a pété sa gueule. Hein. Scorpion, c'est devenu la fourmi. Salut, c'est Nam les frérots et les sœurs, c'est votre bonhomme masqué préféré sur YouTube, BDG. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Spider-Man On est sur Spider-Man 2, donc on va vraiment avancer au niveau de l'histoire. On va jouer à la précédente vidéo, c'était plus sur Miles Morales. Là, on va aller jouer avec Peter Parker, le Spider-Man, le Spider-Man originel. Allez vous chercher une petite boisson fraîche, une petite boisson chaude, moi chaque mon petit Red Bull. Ouais, Red Bull donne des ailes et donne le cancer. Donc, à part si un jour je suis sponsorisé Red Bull, là vraiment les frères, je vous dis, mais non, Red Bull c'est vraiment une formidable boisson, c'est la meilleure boisson qui existe au monde. Ouais, ils sont toujours aussi forts. Donc on va lancer le jeu directement, hop, on va continuer avec Peter Parker. Je fais les missions secondaires de mon côté. Je vais pas vous infliger ça, hein. ce serait dommage. Hein. Hey Pete, t'es prêt à faire un tour à la fondation? Bien sûr, Rouillot. J'ai hâte de voir sur quoi tu bosses. Super, j'ai hâte de te montrer. Oups. T'as hâte de me montrer, ah ouais? Petit coquin. Ouais. On va changer la tenue, on va prendre... Ouais, c'est quoi Spider-Man Hijab? Mais c'est quoi ça? Tenue Kumo? Trop bizarre la tenue, non? Il y a un poil, il y a Walp ou quoi le frérot? C'est quoi fabriquer? Mais non, je vais pas fabriquer ça, vous êtes des ouf, vous. On va prendre la tenue vraiment Spider-Man originale. Celle-là en rouge. Ce que j'aime bien, j'aime pas, ça me fait bizarre quand... Il y a la tenue Spider-Man aussi à Sinquid, regardez. Ouais, j'aime vraiment pas du tout. Moi, c'est... Ouais, j'aime pas du tout. Je dois répondre, CMJ. Regarde. À plus tard. Regardez. Hey, comment ça va? Ah, MJ, avant de péter les couilles, MJ, non. Oh, elle lui a rien dit. Non, on va prendre la Spider-Man original. J'aime beaucoup trop, moi, la tenue de Spider-Man original. Plutôt bien. Je viens de raccrocher avec Harry. Ça a l'air pas mal, son histoire de fondation. Ah, cool. Ça avance aussi de mon côté. Je me suis renseigné sur la technologie utilisée par le gang pour attaquer le tronc. Ah, on peut pas se téléporter, là. Elle part beaucoup, là. On parle de sa technologie, je sais pas quoi, là. Mais on peut toujours, on n'a toujours pas débloqué des points rapides. Même là, genre. Je suis sûr qu'on n'a pas débloqué des voyages rapides. Voilà, faudrait vraiment que je fasse une mission secondaire dès que je peux. Ouais, je sais pas qui finance tout ça, mais il manque pas de ressources. Miles pense qu'il a vu leur chef. Une espèce de chasseur de gros gibier. Craven. Montre de fourrure et tout. Et par de Craven. Intéressant. Je continue de creuser. Si creuse. La une, ça pourrait nous aider à les trouver plus vite. Et je pourrais peut-être aussi garder mon boulot. Mission principale, sélectionner à gauche, guérir le monde. Capitaine Clark, est-ce que tout va bien? On est sur le point de démolir un hôpital qui a été endommagé lors de l'attaque de l'homme sable. Il y a beaucoup de débris et ça ralentit les techniciens. Ça, c'est des missions secondaires, ça. Ils auraient besoin de vos toiles pour stabiliser le bâtiment pendant qu'ils travaillent. Absolument! Merci. On va continuer en attendant que ça aille. Ah, c'est des missions secondaires, ça. Ok. Je sais pas si c'est intéressant vraiment de les faire, je pense pas. Ah, nous, vraiment, j'ai envie de vraiment débloquer Venom et voir un peu l'histoire de Kraven. Vraiment pas tout ce qui est secondaire, ça peut se faire en... Quand je suis pas en train d'enregistrer, quoi. Je sais pas, je vois pas l'intérêt, en fait, de faire voir ça si c'est chiant. On va se mentir, mission secondaire, on sait très bien comment ça se passe. Moi, perso, les missions secondaires de... Final Fantasy XVI, ils m'ont traumatisé, hein, les frères. Vraiment, quand je vous dis, ils m'ont traumatisé. Là, je préfère me concentrer. Mais là, j'ai l'impression que tout le début, là, c'est que des trucs, ouais. C'est comme Martin. Là. Martin à l'école, Martin à la plage, c'est Spider-Man. Cherche université, Spider-Man. Je me demandais ce que fait du vélo avec son pote Harry. Là, c'est quoi? Là, c'est Spider-Man. C'est vraiment Spider-Man. Ouvre une association. C'est l'arbre.
auprès d'Emily. Emily Osborne. Ah, il a mis même mes Parker. Te voilà. Tu m'avais pas dit que... Lui, il est fourbe, hein, une tête de fourbe. Ouais, je voulais viser un truc. Harry, je sens pas Harry, non. Harry, c'est pas Harry. Qui s'est occupé de toute l'organisation? Peter Parker. Oh là là, non, non. Regardez le grand, alors, le grand chef. Qu'est-ce que tu en dis? C'est le grand méchant, lui. Ça n'a rien à voir avec le placard où tu travaillais avec Otto. Quel bâtard. Et maintenant que tu fais partie de l'aventure, cette boîte va tout renverser sur son passage. Oh, quel bâtard. Ah ouais. Ah ouais, c'est Twitter, Zbi. C'est Tesla. SpaceX. Pete ne sait pas encore s'il va nous rejoindre. Oh. Vraiment? Mais je vais lui faire visiter. Et il pourra décider. Entendu. Osborne, il n'aime pas que tu dis non. Vous savez, quand je vous revois ensemble, comme à l'époque, très bien. Bonne visite. C'est là que j'y vais être contaminé, je crois, par le truc de Venom. Sortons à l'aventure. Sors ton badge. Faut le mettre, abruti, faut le mettre sur ta chemise. Il est bête ou quoi, Peter Parker? Cet endroit. Ouais, hein. Mon père s'est un peu plus emballé que ce que j'aurais voulu. Mais comment t'as fait? Il a tout mis en place pendant que je suivais mon traitement. Mais quand je suis sorti, j'ai fait 2-3 changements. Genre quoi? J'ai redistribué mon salaire dans des projets de recherche. J'ai diversifié les métiers pour mieux nous aiguiller. Et j'ai veillé à ce que toutes nos expériences servent notre objectif. Guérir le monde. Laisse-moi d'abord te présenter le Dr. Young, spécialiste... Ah, j'ai compris en fait. Ouais, le Dr. Ils guérissent le monde grâce aux symbiotes. Ah, les bâtards. Sur leur prédateur. Parce qu'en fait, le symbiote Venom, il peut guérir les gens. On le sait, ça. Vous avez même dû le voir dans les deux films merdiques qui sont sortis, là. Oui, Jill, je viens d'avoir des nouvelles de Dan et Annie. Mais dans la base, dans les comics, c'est ça. Nous avons effectué lors de la dernière phase. Tu viens parler au Dr. Young? Bah, je suis là, Rouya, tu veux... Laisse-moi le temps, non? Peter, ravi de vous rencontrer. Je pense que ce projet va vous plaire. Docteur Young, mais on n'a pas des... C'est pas... Ça va être un asiatique. Sur les abeilles. Young, normalement, c'est un asiatique. Et on peut dire qu'il y a urgence. Un tiers de la nourriture que nous mangeons provient de cultures pollinisées. Ah, ça, c'est vrai. Ça a plus d'abeilles, il n'y a plus rien dans le monde. Est en net déclin. Principalement à cause d'un prédateur. Le frelon. Carnivore. Donc, le frelon. Nous avons trouvé un moyen innovant d'aider les abeilles. Vous voulez voir? Waouh, c'est Black Mirror. Ils ont fait des abeilles en... Waouh, c'est un épisode de Black Mirror, ça, des rouillants. C'est cool. Ces petits drones protègent les abeilles. Nous les entraînons Chirer. À détecter et attaquer les filantes. Autrement dit, je tire sur eux, ça fait quoi? Nous aider à améliorer l'algorithme d'apprentissage. Filante détruit. C'est quoi? C'est un jeu ou quoi? Petits hologrammes de filantes. Ça, là. Mieux nos drones sauront reconnaître leurs cibles. Le concept des drones, c'est de faire peur aux filantes, pas de leur faire mal. Ok, faut tuer ça, là. Ouais, j'ai vu, on dirait... un jeu de Game Boy. Bon, pour... Protéger la ruche. Ça, pour lui, c'est un jeu de... C'est pour lui, ça, c'est... Pour lui, là, pour Peter Parker, là, c'est comme s'il joue à... Elden Ring, frère. Vu les jeux qu'il joue, là, on a vu sur sa table basse chez lui, là. C'est bon, Peter. On a bien travaillé. Ouais, je peux pas tirer sur eux, non? Regarde dans sa gueule. Tiens. Dans ton huc. J'ai rentré l'abeille dans son huc. J'arrive tard, tard. Si ces filantes que vous avez neutralisées étaient des vraies, vous auriez sauvé la vie d'à peu près 25 000 abeilles. Waouh. J'adorerais pouvoir vous aider. En boostant la vitesse du réseau neural, par exemple. Oh, mais avec joie. Si Pete décide de nous rejoindre, vous devriez discuter un peu. Merci, Dr. Young. Merci, Dr. Young. Ouah, toujours Mike, s'il me casse les couilles, Mike. Salut, t'auras une seconde. Proton révolutionnaire. Oh, c'est bon, tranquille, rouillant. Mike, il me lâche pas. Moins de radiation que les rayons X. C'est tous les trucs dont on a parlé? Tous ces rêves qu'on avait, toi et moi, pour rendre le monde meilleur. Véronica, c'est le concept.
Vraiment, en fait, c'est une grosse intro du jeu. Il lui manque un brol, frérot, là. Est-ce que ça peut attendre un peu? Ce sera pas long. Mm-hmm. Merci. Doc, voici mon ami Peter. Peter, Dr. Connors. Oui, on s'est déjà rencontrés. Je travaillais avec le Dr. Octavius. Vous êtes venu au labo une fois vous renseigner sur l'électrostimulation? Ah. Putain, il se souvient de tout. Quelle tristesse pour le Dr. Octavius. Ses travaux étaient si prometteurs. Rien de nouveau depuis ce matin? Vertige, crampes, douleurs, angoisse, pensées compulsives? Non, je tiens une forme olympique. C'est bien ce qui m'inquiète. Content de vous avoir revu. Pourquoi ça l'inquiète? Ton médecin, c'est le lézard? Mon père croit aux deuxièmes chances. Écoute... C'était le lézard, lui. N'hésite pas à te balader. Retrouve-moi en haut quand tu seras prêt. C'était le lézard, lui. Il croit aux deuxièmes chances. Mais couille, ouais. Son daron, c'est le bouffon vert. Il y a le gnome vert en lui. C'est surprenant. Mais tout le monde a l'air ok de travailler avec le docteur Connors, ici. Bah ouais. Je vais faire un petit tour. Bizarre, là, toute cette histoire. Là, me prend pour un con, lui, c'est pas possible. Par contre, les trucs secondaires, les frérots... Mais je veux pas les faire. Hein. Il y a tellement de trucs à voir ici. Par où je commence? Il doit avoir la blinde clin d'œil. Hein. La blinde. Ah ouais, on est obligé de tout regarder, non? C'est le prototype qui vient du laboratoire de toi. C'est bouger une branche. Ça aurait pu être une preuve de scène de crime, ça. Bah ouais, ils ont quoi? Comment il a atterri là? Bah ils ont carotté, frère. Tu croyais atterri comment? Osborne, tu croyais qui, ouais, nous, quoi? Peter, quand tu seras prêt, rejoins-moi là-haut. Je suis en chemin. J'arrive tout de suite. Allez, hop. Fallait vraiment que je bouge le bras, là, pour tout débloquer. Combien de temps t'as mis pour venir? 2 heures. Il faut que je me trouve à l'appart plus près d'ici. Il y en a un qui se libère dans mon immeuble. Mais c'est quoi, ça? Vraiment un accélérateur de particules? C'est pour envoyer des rayons à protons vers la salle de traitement en bas. Là, il est en réparation, mais ce sera réglé en moins de 2. Incroyable. Tu m'emmènes où maintenant? Au dernier étage. T'as vraiment retrouvé ton énergie, Harry? Je suis en pleine forme. Bon, enfile ton casque temporel et repense au passé. Plus loin que le lycée. Direction le collège. Est-ce que tu vois... Attends. Vous êtes un homme occupé, Peter. Désolé, c'est pour mon tutorat. Donc, tu disais? Tu vois ce truc que tout le monde apprend au collège avec Gregor Mendel et les petits pois? Ouais, je crois. Le cours sur la génétique et les croisements? C'est ça. Le docteur Foster, qui est là, a raflé toutes les récompenses pour ses travaux sur la génétique des plantes. Wow. Dis-moi, quand tu t'es baladé, t'as pris le temps de nourrir les poissons? Non, j'ai pas testé. Oh, il faut que tu le fasses. Sérieusement, ça doit être un de mes endroits préférés dans tout le bâtiment. J'ai que ça à foutre ou quoi? Et on fait des recherches passionnantes inspirées par les écailles des carpes koi. D'accord, j'irai faire un tour. Je vois ce que vous voulez dire. L'algorithme est comparable à une division longue. Vu sous cet angle, bien sûr. Je comprends. Docteur Foster. Merci, Docteur Foster. Ah, Peter, je présume. Harry parle très souvent de vous. Ravi de vous rencontrer. Le docteur Foster travaille sur la productivité agricole. Du fait de l'augmentation de la population et de l'évolution imprévisible du climat, nous devons nous adapter plus vite que la nature ne le ferait. La recombinaison génétique permet d'adapter les cultures afin qu'elles répondent mieux aux nouveaux défis, comme le climat extrême ou l'augmentation des nuisibles. Voulez-vous voir ce banc de test? Non. Ok. Ben, j'ai pas le choix. L'idée est de modifier les gènes d'une plante pour en optimiser les qualités. Par exemple, une plante capable de résister à la sécheresse. Dans notre simulation, l'objectif est d'optimiser la croissance. Entraînez-vous un peu. D'accord. Associez les paires de base pour incorporer un maximum de gènes de croissance. Cette plante ok, j'ai compris. En fait, faut lier au truc vert, là. Intéressant. Et là, c'est comme ça. Voilà. Non? Changer de pièce, on peut pas la tourner. C'est
ça, alors hop, comme ça. Ah, ok, c'est comme ça, d'accord. C'est des trucs blancs qui se lient entre eux. Je crois que je commence à piger le truc. Parfait. Vous allez maintenant pouvoir essayer pour de vrai. Nous travaillons sur une plante capable de pousser en milieu très sec. Les entreprises qui déposent des brevets sur les graines OGM pour faire du profit sont très critiquées. Les nôtres sont open source et développés dans un souci de durabilité, pas pour l'argent. C'est bien vu. Je fais au pif. Ok, ouh, j'ai créé une plante, je suis trop fort. On va réussir à nourrir la planète. Oh putain. Bah, ça me bat les couilles. Écoutez, je sais que vous ne faites pas officiellement partie de l'équipe, mais pourriez-vous jeter un œil à un autre gène pour moi? J'aimerais avoir votre avis sur une plante adaptée aux jardins urbains. Bien sûr. T'as ma pour faire ça, faut être un génie ou quoi? HM, c'est un truc de CP, frère. Oh, c'est pète couille ce truc de merde, là. Oh, faut que je trouve que le dernier, là. Putain, je... Le gameplay est à 2002. Aucun intérêt de me faire ça. Beau travail, Peter. Oh, putain. Oh là là, qu'est-ce que ça a chié, ça. Oh, on dirait sa mère, c'est Farmville. C'est Spider-Man ou c'est Farmville? C'est quoi ces conneries, là? Fin dans le monde d'ici 2020. Ouais, bien sûr, fin dans le monde dans... pour les États-Unis, hein, pas pour l'Afrique. Vous pourriez faire des tests en conditions réelles, si ça vous intéresse. Oui, quand vous voulez. Harry avait raison. Ouais, c'est Farmville. C'est pas Spider-Man 2. Hein. Merci beaucoup, docteur. On va où, maintenant? Au dernier arrêt. Sûrement mon préféré. Un lieu d'autorité, mais pas oppressant. Stimulant, mais pas kitsch. Impressionnant, mais pas tape à l'œil. Ton bureau? Tu veux dire... notre bureau? Harry... Et n'oublie pas, les trucs que tu as vus aujourd'hui ne sont qu'un petit aperçu de nos projets en cours. Mais avant de prendre ta décision, il faut que tu vois une dernière chose. D'accord. Où est-ce que t'as mis ton badge? Tu vas en avoir besoin pour entrer. Où est-ce que je l'ai mis? Me dis pas que tu l'as perdu. Non, fausse alerte. Je l'ai. Dr. Washington, vas-y, vos passe-le. Wow. Pizza partout et tout. Putain, vraiment une photo de sa tante et tout. Je sais pas, il l'a trouvé où. Oh la vache. Harry. Harry, qu'est-ce que t'as fait, Harry? C'est vraiment incroyable, c'est parfait, franchement, mais c'est juste que je suis tellement débordé. Quand je suivais mon traitement, j'avais qu'une question en tête. Je ferais quoi si je survis? Et j'entendais la voix de ma mère qui me disait que notre planète allait mal. Et qu'il était de mon devoir de la sauver. Oh, pauvre petit Harry. Si tu m'accompagnes, on pourra faire tellement plus de choses. C'est vrai. De nous deux, c'est toi le plus malin. Allez. Que ma mère et May soient fiers de nous, hein? C'est vraiment génial. Mais il y a un souci. Est-ce que je pourrais mettre mon bureau là-bas? Non, parce que je préfère travailler face à un mur. L'amitié est si beau! L'amour, la bromance! Wouah, des feux. Peter, welcome in the society. Thank you, Peter. Everybody. Ouais, il va me falloir du temps pour faire la transition avec mon tutorat. Bien sûr. Prends tout le temps que tu veux. L'équilibre, c'est vital. Ouais. Mais pour Coney Island, ça tient toujours. Carrément. Carrément.
C'est son sabre en même temps. Ah oui. Il voulait quoi là, Miles là ? Oh, et je t'ai pas dit. On a des chercheurs qui ont monté des projets d'expérience un peu partout dans la ville. Va les voir si t'as le temps. Je t'ai transmis les adresses et tu y auras accès avec ton badge. Ok, je vais là-bas. Projet d'expérience, c'est quoi ? Ces armes, j'ai débloqué les points rapides. Désolé de pas t'avoir rappelé plus tôt, j'ai trouvé un nouveau boulot. Sérieux ? C'est génial. Où ça ? Pour la nouvelle fondation dirigée par mon meilleur ami. C'est incroyable. Je te raconterai. Qu'est-ce qu'il y a ? Les types qui ont emmené Lee et Scorpion. Ganki et moi, on a remonté la trace de leur aéronef jusqu'au pont de Williamsburg. On se retrouve là-bas. Attends, t'avais pas une disserte à terminer ? Ouais, mais le devoir m'appelle. Crois-moi, pour l'instant, ce qui est important, c'est de penser à ton avenir. Je te tiendrai au courant. Ok. Alors, bonne chance. On va y aller vite fait. Au moins, parce que... Sérieux, parce que si là, je fais rien, là... La vidéo, on aura passé à regarder une cinématique. Attends, on va avancer un petit peu. C'est pas grave, sa vidéo est un peu longue. Parce que le problème, si je fais que 25 minutes entre les... vidéo de Lord of the Fallen et trucs. Le jeu, je les termine dans 6 ans. Allez, on va. Allez, hop. Youhou! I am Spider-Man, bitches. Guys, vous aimez quand je suis Spider-Man, les guys? Je vois pas de méchants. Miles et Ganki se sont peut-être trompés? T'inquiète. Ok, je suis au pont. Mais aucune trace de nos enragés du safari. Oh non. Craven. Pourtant, on était sûr. Désolé pour le plan foireux. T'inquiète, on les trouvera. Wesh. Sérieux, les gens sont dégueulasses. Ah. Hein ? Il a vu qu'il y a une barrière. Ils sont sous l'eau. Ah, Craven, il est trop malin. Ouais, c'est quoi cette technologie? C'est un truc de ouf. C'est un truc tarné ouf. C'est quoi ce délire? Oh là là, la bagarre. La bagarre. Frappe de toile sur un ennemi. Esquiver les défenses ennemies. Et attaque par derrière. Alors, bouffon. L'arachnide, s'il te plaît! Où votre boss à crinière trouve ce genre de gadget? Un véritable chasseur sait comment se camoufler. Oui, mais est-ce que c'est un bon chasseur? Oh, et ouais, il m'en fout. Ah, Shen, t'as tout ce qu'il m'a envoyé dans la gueule? Moi, oh, je vois rien, la caméra, des fois, comme d'hab. Hein. J'ai l'impression que toute la caméra des jeux, il pue la merde. Tiens, toi, tu m'as pété les couilles, hein. Voilà. Où est-ce que votre chef a emmené Lee et Gargan? Oh, criminel! Pas très loin. Ouah, il jette des flèches, frère. Chasse trop facile. Chasse trop facile, cousine. T'as la chance que la caméra ne mette pas. C'est quoi ce délire? Ok, ça j'ai compris. C'est rond, je vais frapper par derrière. Ouais, même par ça. Où votre boss à crinière trouve ce genre de gadget? Un véritable chasseur sait comment se camoufler. Oui, mais est-ce que c'est un bon chasseur? Est-ce que c'est un bon chasseur? C'est une rêve aux inconnus, ça, ou quoi? Wesh. Ouais, j'esquive des... Ah, ma touche trop, un bloc trop. Je vous jure que ma touche trop, un bloc trop. Et moi fort à terre, ouais, bien sûr. Plus sérieusement, où est-ce que votre chef a emmené Lee et Gargan? Oh, criminel! Tiens! Mais non, mais j'appuie rond, putain, mais je suis dans une cinématique, là, c'est bille, wesh! Pas possible, je suis dans une cinématique qui me font. Je me prends le coup. Hop! Donc là, hein, esquive. Voilà l'insecte! L'arachnide, s'il te plaît!
Où votre boss à crinière trouve ce genre de gadget? Un véritable chasseur sait comment se camoufler. Oui, mais est-ce que c'est un bon chasseur? Amenez-le au sol. Wesh. Allez hop. J'ai l'impression la jauge elle monte pas hein. La jauge de concentration là. Wouah. C'est quoi ce délire? Hop. Je veux ma touche front headlock pro. Je veux dire j'appuie rond, ça marche pas headlock pro ma touche. L'arachnide, s'il te plaît. Faut que j'élimine ce snipe, non? Un véritable chasseur sait comment se camoufler. Oui, mais est-ce que c'est un bon chasseur? Faites-le descendre. Bref, tiens. Headlock pro Matus Front. C'est pas possible. Je jure Matus Front Headlock pro. Voilà, ça je le fume. Plus sérieusement, où est-ce que votre chef a emmené Lee et Dardan? Oh, criminel? Pas très loin. Ils profitent de leur liberté. C'est pas du tout inquiétant ça. Voilà, hop, c'est bon. Ah, j'ai enfin réussi à débattre. Ça me conduira peut-être à des réponses. Allez, vas-y, mon poulet. Ah, merde. R2 pour vous balancer. Montre-moi ton nez. Les courses-poursuites vont manquer quand je vais aller millimètre. Cette adrénaline, les courses d'obstacles à travers la ville... Je m'en lasserai jamais. Dire que je vais faire de la vraie science pour un vrai salaire. Non mais c'est fou, j'y suis arrivé. J'y suis arrivé grâce à ton frère. Hein. Ok, Parker. À ton frère, grâce à ton pote. Hein. T'as pistonné Harry. Chasse. Spider-Man se fut pistonner. Spider-Man est un privilégié. T'es un hétéromale. Blanc privilégié. Spider-Man est privilégié. Spider-Man est raciste. Spider-Man est raciste. Vol, vol, mais tu ne m'échapperas pas. Oh, il m'attend là, je crois. Non. Sympa le camouflage. Je peux jeter un coup d'œil sous le capot? Spider-Man est un pervers. Hein. Je prends ça pour un an. Et toi, je vais te soulever ta daronne, toi. Toi, t'es la première que je vais soulever. Et de deux camouflages. Je me demande si ma tenue réussirait à identifier leur fréquence visuelle. J'ai pas aperçu votre chef. Où est-ce qu'il se cache? J'aimerais bien lui toucher deux mots sur ses choix de mise. Tu n'es pas digne de son attention. Mais Scorpion, oui. Ok. Pef, voilà. Voilà, t'as la technique de ouf. J'ai pas grand chose contre Gartan. Je dis juste voilà, que j'ai toi. 2-3 raclés. Oh là là, oh, elle est tombée. Bah t'es morte. Hein. Où est votre c'est ça Spider-Man, alors on tue les gens. Cherchez d'autres informations. Encore un robot. Et ils ont un système de camouflage et tout. Mais Kraven est vraiment trop fort. Ok. Kraven c'est vraiment... Désolé poulet, c'est peut-être gênant pour toi, mais ça l'est tout aussi pour moi.
devrait y avoir une... Ah ouais. Ah. C'est ta maison, ça. Oh. Eh, c'était soulevé. Lâche-moi. Allez. Ah, tiens pas à faire partie du voyage. Oh non non. Oh, ça entend rien. Oh là là. J'ai envoyé la localisation à MJ. Elle trouvera peut-être des infos sur ce bâtiment. Putain, des tatouages, il est aussi puissant quand je le fais, moi, quand je me balade. Hein. Là, il a été boosté, là, pour l'histoire. Hein. MJ, t'as reçu l'emplacement que je t'ai envoyé? Ouais, c'est un ancien marché. Propriétaire décédé, il a été vendu il y a quelques semaines. Attends. L'acquéreur. C'est Chang-Li, là. Chang-Li, là. C'est Chang-Li, là, ce qui s'est fait. Je voulais en faire un article le mois dernier, mais je manquais de preuves. Tous les témoins que j'ai pu contacter ont disparu. Hé, vous deux, allez vous rendre utile. Allez, bouffons, là, vous rendre utile. Qui sont ces gens? Allez, mode infiltration. Bonne chance. Je dois les neutraliser discrètement. Et le reste des chasseurs? Leurs affûts sont en place et les canaux opérationnels. Si vous attaquez l'ennemi, porte une icône de danger, cela alertera ses alliés proches. Ok. Il faut que j'arrive à en éloigner. Attirer les ennemis en lançant des toits sur la surface des objets à proximité pour créer une diversion. Chercher des diversions. J'ai entendu du bruit. Ok. Ah, ça, je sais faire ça. Là, hop. Frappe par toile. Ah ouais, il me laisse pas le choix. Ils sont que deux. T'as pas perdu de temps? T'as trouvé quelque chose? Deux choses. Ce groupe armé se fait appeler les chasseurs. Et ils viennent d'un peu partout. Des mercenaires internationaux? C'est ce que je pense. Tu tiens peut-être un sujet qui pourrait finir en première page. Je bosse dessus. Merci. Oh, et vu qu'on parle boulot, j'ai accepté l'offre d'Harry. C'est fantastique! On devrait fêter ça, quand t'auras fini ce qui t'occupe en ce moment. Carrément. Ciao. Ça y est, comment maintenant je fais? Ok. Et ça... Allez hop. Du matos. On dirait qu'il prépare une guerre. Il prépare pas une guerre, il prépare une chasse. Craven, il chasse tout ce qui bouge. Oh, on peut me faire une simulation murale. On a deux affûts qui ne répondent plus. C'est vraiment... L'araignée a été aperçue dans votre zone. Préparez les chiens. Oui, Craven, tout de suite. Craven, c'est leur chef? C'est vraiment Batman. Hein. En Alaska. D'après mes employeurs, j'étais un peu trop brutal avec eux. Les crétins. Au bout du sixième incident, ils m'ont filé ce qu'ils appellent un congé autorisé. Bah, alors j'ai foutu le feu à leur bureau. T'es un marrant. C'était quoi ce bordel? Vas-y, va, au revoir. Oh là là, je suis le roi de l'infiltration. Reste à terre. S'il te plaît. Là-haut. Ah merde. Je me suis fait capter, j'ai parlé trop vite. C'est qui m'a repéré? Il est au-dessus de nous. Ta gueule. Voilà. Ferme-la. Voilà. J'ai eu tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il fabriquait? Faut que j'aille sur les ordinateurs, là. Salut, toi. Une vidéosurveillance de l'affût où je viens de passer. Il y en a d'autres apparemment. Et partout dans la ville. Je vais envoyer ça à Ganki. Ça devrait l'aider à les localiser. Que chasse Craven? Et pourquoi? Il chasse tout ce qui bouge. Craven, il chasse tout ce qui bouge. Y'a pas de raison, lui. Oui. Tout ce qui bouge, il chasse. Ah ouais, vraiment...
Une nation depuis une narration. Et confiance. Ouais, je te zarbanette. Pour moi ? C'est trop, fallait pas. Oh ! Robuste et souple à la fois. Je me demande... Il regarde la technologie. Cool. Il va carotter la technologie ou quoi? Il bloque un nouveau truc. C'est le moment de sortir mon nouveau jouet pour un tour d'essai. Utilise le fin pour éliminer les chasseurs. L2 pour lancer le film d'étoiles. Ah, ça tue, ça. Drone rapace, munitions, provisions. Ah ouais. Encore des cargaisons. Je vais devoir rendre une petite visite au fournisseur. Ah, ça tue, ça. À part ça... Ils ont l'air mieux équipés qu'une armée entière. Ah ouais, ça tue, ça, par contre. Riche. Ou avoir le bras long. Ou... les deux. Ah, le film, non? C'est une tuerie, ça. Pourquoi pas? Mais en vrai, je m'attendais pas à ce que Kraven s'en fasse. C'est limité, ça, ouais? Une fois, je l'ai vu sauver un chasseur qui était sur le point de mourir avec ce qu'il avait dans ses yeux. Je veux dire que Kraven ne s'entoure pas avec les cartons de la médecine moderne. Il y a eu un bruit bizarre. C'est quoi le problème? Allez hop, ça c'est fait. J'ai tous les attachés, hein, les attachés hein, comme ça. Là. Viens toi aussi, viens. Viens rejoindre tes potes. Oh là. Oh là là. Oh là là, je suis en train de faire un... Je suis en train de faire un cachir de... Un cachir de criminels. Allez, ils sont tous attachés au même endroit. Il y en reste encore, non? Sécuriser le restaurant, bah sécuriser là. Un ARS lui là. Tiens, attends. Voilà. Alors les bouffons. Wesh, wesh. Il y en a un. Tiens, attends, hop. C'est l'heure de la sieste. C'est l'heure de la sieste. Où je vais maintenant? Ils sont tous attachés, non? 1, 2, 3, 4, 5. Je dois aller où maintenant? Ah, il y a L3 bon. Avancer dans la base. J'ai pas d'autre option, on dirait. Ça va partir en couille, non? Il y a un gros ennemi qui va arriver, je pense. Putain, Kraven, c'est vraiment... Il pèse dans le game. Ah, il est au fist. Tante May était si fière de son travail au fist. Même s'il y a complètement perdu les pédales, j'espère que ça veut pas dire que tout ce qu'il a touché a aussi été corrompu. Kraven étudie le sang de Lee. Il essaie peut-être de comprendre l'origine de ses pouvoirs. Ou comment se les approprier? Un masque des démons intérieurs. L'ancien gang au super pouvoir de Lee. J'espère que Kraven ne veut pas les imiter avec ses chasseurs. Il y a même la tenue de scorpion. Ils testaient leurs armes sur cette armure. Et il n'y a pas une seule éraflure. Ouais, bête d'armure. Hein.
des hallucinogènes. Ça doit être ce qu'il y a de pire dans le poison de scorpion. Eh ouais. Si Kraven intègre ça à son arsenal... C'est la merde. C'est... le tiare à pétali. C'est une des fleurs les plus rares du monde. Son essence possède des vertus médicinales extrêmement puissantes. Je voulais m'en procurer il y a quelques années pour combattre le poison de scorpion. Mais j'avais pas de quoi me payer un vol pour Rayatea. Et Kraven a les moyens, lui. Carotte-le, hein. Ça y est, y'a plus rien, non. Une réplique presque exacte. J'imagine qu'il devait tester les points faibles. On n'est jamais trop prudent avec Scorpion. Il y a un truc derrière. Regardez-moi ça. Ouais, MJ, j'ai un nouveau nom pour toi. Kraven. Tout porte à croire que c'est le chef de la bande. Et il organise une espèce de chasse. Kraven le chasseur. Il chasse quoi exactement? Je suis encore dans le flou. Il chasse Scorpion tout. Scorpion et Lee sont impliqués. Donc là, je dois tous les défoncer. On va commencer par eux. Vas-y, toi, va là-bas, bouffon, va. Y'a rien ici, va. Et voilà, bah c'est bien. Relax, c'est rien. Voilà, hop, c'est bon. Là-bas, c'est sûr. On va péter... J'ai vu qu'il y a un drone. Alors comme ça, il paraît que Scorpion t'a pas impressionné? C'est pas que ça m'a pas impressionné. Mais... ah, en fait, des fois, il se pose. Et jouer avec sa proie, c'est pas comme ça que je chasse. En revanche, je reconnais qu'il avait quand même un certain talent. Oh là là. Est-ce que t'as regardé la composition du poison? Un cocktail de malade. Gargan s'est sûrement fait à ça. Peut-être. Il arrête pas de se déplacer. Comme un fin stratège. Et ma surprise. Ça m'a fait la même chose. C'était peut-être pas si mauvais, finalement. Ah, eux, c'est fait, déjà. Il manque... on a quelques-uns ici. Tant qu'il le faudra. Kraven dit qu'il y en a partout dans son rêve. Son rêve est... dans son rêve? Ça veut dire que les feux seront là, quoi qu'il arrive. Pourquoi on se donne autant de mal? C'est lui qui décide d'allumer les feux, pas le destin. Allez hop, toi aussi. Et voilà. Hop là. C'est bien que le truc avec les toiles là, c'est vraiment ça tue. Ça permet de... être full discret. J'avais peur que Lee soit complètement à bout de souffle après avoir été enfermé aussi longtemps. Mais waouh. Changement de patrouille demandé. Il y a des toiles partout, hein. J'ai dans son dossier. Gargan était un chasseur. J'y vais maintenant. Lee, il l'est devenu progressivement, avec tout le bazar autour de ses parents. La vengeance. On ne trouve pas de meilleur pour lui. Ça remonte à quand la dernière fois qu'il s'est vraiment lâché? 2 ans? Ouais, plus ou moins. Quand l'araignée l'a chopé. Waouh. J'imagine qu'il doit crever d'envie de se défouler sur quelqu'un. Il en aura l'occasion. Rien à signaler. J'espère qu'on sera aux premières loges. Pas de réponse. Que quelqu'un aille vérifier. Ok, je me rends sur place. Elle se rend où sur place? J'ai entendu du bruit. Ah, c'est le poison, ça. Personne. On n'est pas seul. Fera un joli trophée de chasse.
L'un des nôtres est à terre. Moi, je suis en train de fumer. Full discret. Patrouille au rapport. Rien du tout. Chasseur, allez voir. Je vais sur place. Je sais que c'est toi. Il y a des toiles partout. Il est là. J'ai besoin d'aide. You, y'a rien, t'as rien vu toi, rouille. L'araignée est proche, avec moi. Alerte générale, y'a plus personne ici. Ouais, ils ont tous fumé. J'ai mis des toiles partout. On va tirer attention. J'ai entendu un truc. Est-ce que c'est lui? Venez, l'araignée est ici. Allez hop, toi aussi. On parle pas avec toi, toi. Une minute. Pourquoi y a personne? Parce que t'es une conne. Vous êtes tous des cons ici. Je veux un rapport de situation. Pas de réponse. Je veux quelqu'un sur place. Je vais les chercher. Y'a pas des trucs pour attirer leur attention? J'ai pas des gadgets pour attirer leur attention? Ça c'est bien ça. Ça je peux pas débloquer ça? Tu fais trop de bruit, Spider-Man. Je te couvre. Couvre de rien, frère. Il dit je le couvre, frère, je le fume. Mais tu le couvres, hein. C'est bien. C'est bien, tu le couvres bien. Allez hop, bye bye toi aussi. Bonjour à la couverture, hein. Merci. Hein. C'est bon, il reste plus personne. Hein. Il reste des gens. Avantage de rien, t'es solo frérot. C'est de trouver le dernier là. Ah, ils sont les deux, ils sont là-bas. Ok, on va attirer par là. Comme ça, on va activer le poison. Dès qu'il va venir, on va activer le poison. Ça pourrait être l'araignée. Ah, le bâtard. C'est Spider-Man. Oh, le chien. Ouah, il y en a beaucoup qui sont venus d'un coup. Hein. Ah, en fait, dès que tu te fais détecter, t'actives tout le monde. Ne vous laissez pas avoir. Voilà, la parade là. J'ai bien réussi la parade là. Ouais, attends, je t'envoie une caisse, tiens. Attention aux toiles. Voilà. Dès que tu te fais détecter, il y en a 15 000 qui arrivent. J'aimerais des réponses. Les questions, ça commence à bien faire. Allez, inspecte le terminal, comme ça on se barre. Ça semble prometteur. Alors, Kraven, dis-moi ce que tu cherches. Qu'est-ce que tu nous caches, Kraven, Kravouné? Attends. Partir chasser avec Scorpion Ellie, je comprends. Ah, il est juste derrière. Kat est une voleuse. On l'a vu passer. Ah non, c'est les chiens. Oh, je pige pas. Ah! Tu sais que les vilains chiens sont privés de grenades, hein? Oh putain. Gentil, toutou, clébard, robot. Allez, pète-lui la gueule, frère, t'es Spider-Man. Ah, ça va être cool de bagarrer contre des chiens.
mon sacré dentition. Ok, donne la patte. Allez, hop. Wesh, wesh, calme-toi, toi. Pas le fou, hein. Allez, hop, la parade. Ah, c'est bon, j'ai compris comment elle fonctionne, la parade. Wesh, wesh, wesh. Ah, faut vraiment jouer avec la parade si tu veux être fort. Dans le jeu, si tu joues pas contre avec la parade, ta barre de concentration elle monte moins vite. Bon, bah maintenant que ouais, ils ont tous désactivé mes gadgets, les chiens. Je peux peut-être l'aider. Mais quoi, c'est quoi qui a été désactivé comme ça? Ah, c'est le robot là. Tiens, j'ai pris leur chien, je le jette contre eux. Tenez, prenez votre chien. Cadeau. Oh, 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 par contre, eux. Oh, faut que j'utilise des gadgets, hein. Plus simple pour tout le monde si quelqu'un m'explique ce qui se passe ici. Wow, wow, mais là, mais non. Comment j'ai bien combattu, je suis quand même mort. Faut vraiment que j'améliore mes gadgets et tout. Vraiment que j'améliore mes composants de tenue, parce que j'ai rien mis. Ah ouais, j'avais oublié de mettre ça. Ça, ça permet de frapper plus fort. Ça, c'est très important. J'avais oublié de mettre ça, vraiment. J'avais oublié de mettre des points de compétence. Ça, là, speed ruée, là. Ça, ça tue, ça aussi. Ça, c'est un triangle, je crois. Voilà. Oh, sacré dentition. Voilà, okay. Ouais, ça, ça l'est. Ça, ça l'est. Ça détruit direct. Ah, enfin! J'attendais la fourrière avec impatience! T'es trop proche de lui! Replie-toi! Voilà, hop, la parade. En fait, la parade, elle se met pas quand c'est rouge. Elle se met quand c'est bleu. Vous voyez quand on fait L1? Bon, bah maintenant que vous êtes là, j'ai une question. Il chasse quoi, Kraven? Il chasse tout. Tout ce qui bouge, Kraven. Tu vivras pas assez longtemps pour aider qui que ce soit. On parie? Ouais, déjà fini, ça y est. Y'a plus personne. Arrangez-le. Wesh, wesh. Ce serait quand même plus simple pour tout le monde si quelqu'un m'expliquait ce qui se passe ici. Voilà, voilà l'explosion, on va à côté de lui, ça lui fait rien. C'est tout ce que t'as à savoir, Larry. Voilà. Voilà. Ah, je lise des baisers, là. Ah, je lisais Ken, hein. Qu'est-ce que vous protégez? Scorpion, Martin Lee, Black Cat. On dirait que ce Kraven met en place une équipe de choc. Ah oui, il chasse, c'est un chasseur, lui, il chasse tout ce qui bouge. Il n'est pas d'équipe, lui, lui, c'est pour s'amuser, c'est un chasseur. Je crois qu'il crée une équipe, hein. Kraven, vraiment, la classe. Dommage, hein, comme on disait, qu'ils ont enlevé son accent russe. Allez hop, il va se faire... Oh là là, oh, il a chopé comme un petit. Il l'a attrapé comme un enfant, frère. C'est toi. Ouais, il l'a attrapé comme un gosse. Ça ne fait rien, le poison. Oh là 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 là, ce qu'il lui a fait, il lui a pété sa gueule. Hein. Scorpion, c'est devenu la fourmi.
comme ça, c'est tout ce que tu as. Oh non, non, il est en train de lui péter sa tronche. Hein. Oh putain. Oh putain. On m'a dit que tu étais un tueur. Oh putain. L'ampleur de ma déception. Oh non, 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 il pète la classe. Hein. Il sent pas, hey, il fume tout le monde, lui. Hein. Fait vraiment un ennemi à sa force, mais il trouve pas. T'inquiète, moi je serai à ta force. Moi je vais te soulever, moi. Non, il fait pas équipe avec des super vilains. Ben non, il les chasse. Ce sont ses proies. Il les chasse. Félicien. Je connais Félicien. Ah, c'est Black Cat. Et il est tout pisté, il a son costume devant tout le monde et tout. Et tu regardes par sa fenêtre, tu te découvres direct que c'est Spider-Man, rouillant. C'est qui, Mister Négative? Ah, c'est lui, Mister Négative! C'est notre, là. Tu es prêt? Pourquoi? Vraiment? Mon invité va arriver et tu surfes encore sur le net. Maman, plus personne ne dit surfer sur le net. Voilà, ça daronne à 100 ans. Tu peux t'habiller, s'il te plaît. Ok, ok. T'as mis ton super rouge à lèvres. Il te plaît. Ouais. Putain. Moi, je pourrais pas, frère, mon daron, il est pas dans ma daronne, elle sort avec des cumis. C'est impossible pour moi. Excuse-moi. Mais ils sont les ricains, ils ont une mentalité. La prochaine fois, je te promets que. Miles. Je t'aime. La daronne, ça va, elle est encore fraîche, elle veut. Ouais, son mari, il meurt il y a pas longtemps en plus, hein. Déjà, elle se train de chercher un autre gars. Tiens. Ouais, j'avoue, sa daronne, c'est une petite puff, une petite mille. Ouais, ils ont mis ma tenue à 5 quid. Putain. Qu'est-ce qu'elle pue sa mère cette tenue quand même. Je vois pas y'a quoi de Spider-Man dessus, Belek Batman, ouais. Bon, j'ai des infos. J'ai trouvé une des bases ouais. Des Safari. J'ai répondu, ouais. Chasseurs, comme ils se font appeler. J'ai aussi appris le nom de leur chef, Kraven. Il a tué Scorpion. Et il a toute une... Il a tué Scorpion. Ouais, il a fumé. Ah, quoi? Ça veut dire que... Lee? Je sais pas. Mais cette liste est longue. Ça doit être les hommes dont Marco nous a parlé. Ils traquaient l'homme sable. C'est pas vrai. Et Félicia est sur leur liste aussi. Black Cat? Ton ex? Exactement. Ton ex? Elle n'écoutera pas si je dis qu'elle est... Wesh... Mais peut-être qu'elle écoutera quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Je sais même pas que c'est son ex, moi. Adresses. Tu serais OK pour aller t'en occuper sur place? Pas de soucis. Merci. Ah, ça se termine en mission secondaire, ça. Il faut que je me... Dans ma... C'est des... Rappelle-moi s'il y a quoi que ce soit. C'est des genres de camps d'ennemis. Je te le promets. Il me reste un peu de temps avant qu'MJ m'appelle. Voyons ce qui se passe dans le quartier. Ok, regardez-moi ça. Ah, c'est vraiment bon. Je devrais peut-être chercher d'autres paires de chasseurs. Attends, je vais essayer de me tourner. Tourne-toi. Tourne-toi, rouille. Essaye de te mettre comme ça, là. Le cul face à l'eau. Ouais, j'ai dû faire tout ça. Oh, regardez-moi ce plan, là. Ah, le plan comme ça, là. Oui, hein. Comme ça, là, c'est trop beau, là. Une petite photo avant de finir la vidéo. Regardez-moi comme ça. Oh là là. On m'a dit 5 quid. Spider Creed. Regardez comme ça, là. Oh, attends. Mais non, je veux pas quitter. Enlève-moi ça. Pouah. C'est de toute beauté. Regardez-moi comment c'est beau. Oh là là. Bon, les frérots, les sœurettes, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Là, on va pas nous prendre la tête et là, son podcast. Donc, je vous dis à tous à très très vite. C'était le bonhomme masqué PDG. Bonne journée, bonne soirée sur l'heure à qui regardez cette vidéo.
N'hésitez pas, comme d'habitude, ça va être casse-couille des youtubeurs. Le like, le commentaire et l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très très vite.